Il dribble. Il shoot. Il marque. Et il débarque dans tous les points de vente près de chez vous. La figurine officielle d'El Matador. Avec ses cheveux brillants que l'on peut coiffer et livrer avec ses accessoires fétiches et ses répliques les plus mythiques. C'est moi qui suis le meilleur. Ouais, évidemment que c'est toi. Disponible dès la semaine prochaine dans tous les meilleurs magasins de jouets. Tout ça ne va que rendre El Matador encore plus populaire qu'il ne l'est. Ouais, et on sait tous ce que ça veut dire. Ouais, qu'il va jouer encore mieux qu'il ne joue habituellement. On n'avait pas besoin de ça juste avant le double derby. Bien, nous devons accroître notre cote de popularité si on ne veut pas que ta figurine finisse aux invendus. Y'a rien de pire que les supporters, ils sentent comme des vieilles chaussettes. Ils m'ont dit, soyez vous-même. Bienvenue pour ce match opposant les Iron Tanks aux Super Strikers. Et voilà qui font leur entrée. Écoutez la clameur du public, les supporters adorent El Matador, Brenda. Et il adore toute cette attention, Mac. Les supporters, qui a besoin des supporters? Nous allons revenir sur le marché du jouet, les garçons. Nous sommes déjà bien avancés dans cette seconde période et le score est toujours aussi serré. Les hommes en rouge parviendront-ils à prendre l'ascendant sur leurs hôtes? Dancing Rasta passe à Shakes. Shakes passe à El Matador. Wow, El Matador! Va-t-il donner des raisons supplémentaires à ses fans de crier son nom? Ah, mes chers fans, ça c'est pour vous. C'est une action magistrale que nous offre le maestro. El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Vous êtes l'homme du match. Alors, ça fait quoi d'avoir une fois encore marqué un... Oh, oh, mais... Ouais. Merci, mes amis. Je vous aime tous. Et surtout, pensez à acheter ma figurine à sa sortie la semaine prochaine. Certains accessoires peuvent être vendus séparément. El Matador dribble vers le milieu du terrain, passe la balle. Vous rêvez, là. Il passe à personne. Il shoot et il marque sans l'aide de personne. Oh. Yeah. Et en option, on vous offre le catogan éjectable. C'est parce que c'est le prototype, Norf. La première édition, qui sort la semaine prochaine dans les meilleurs magasins, sera le cadeau collector que j'offre à tous mes fans. Tu sais que c'est pas vraiment un cadeau s'ils doivent l'acheter pour l'avoir, El Matador. Bah, c'est un détail. Bloc dit que ça va se vendre beaucoup mieux que son soda officiel. Fuzzlebum, le soda dont raffolent les Brislovien. Ouais. Y'a aucune chance que ma figurine ne fasse pas un carton. Dis-leur pourquoi, mon petit bonhomme. J'adore mes fans. Et les fans m'adorent, moi. Hé hey, est-ce que je pourrais voir ça une seconde? Ouais, c'est tout ça. C'est interdit de toucher. Oh, j'ai froid. Peut-être que j'aurai aussi bientôt ma figurine. Ouais, un peu plus sur la gauche. Parfait. Non, à droite. Ouais, descends. Encore, encore. Monte. Ok, descends. Descends, descends. Voilà, parfait. Ouais, elle est enfin là. La figurine officielle d'El Matador. Chauffeur, vous pouvez y aller. Direction le Toy Depot du centre-ville. Le Toy Depot, ouais, ouais. Tu prends tes rêves pour une réalité, là. Essaie d'y mettre un peu plus de conviction, Scara. Il faut qu'on récupère toutes les figurines d'El Matador. Ouais. Pourquoi? Non. Elle est là! La première édition! Elle ressemble en tout point à la précédente. Non, Tiger. Parce que celle-là, elle est certifiée 100% sans défaut. Parfaite jusqu'au moindre détail. Bon, ben allez, ouvre-la! Ah, pardon? Allez, pas question que quelqu'un l'ouvre. Ça, c'est la toute première édition. Ça doit se conserver en l'état dans sa boîte. Et ça, pour toujours. Non, non, pas là. Là. Les
futures générations de Super Strikers pourront ainsi admirer toute la grandeur du roi El Matador en miniature. C'est un jouet. La seule chose qui compte vraiment, c'est combien de gens vont vouloir acheter. Je dirais à la louche, plus ou moins, disons, des milliards. Ici au Vice. En effet, c'est l'acte 1 du duel entre les impopulaires Invincible United face aux Super Strikers double champion titre. Les fans sont venus en force pour chaque équipe, mais laquelle sera sacrée reine du bal? Ok les gars, il est important qu'on ne se laisse pas intimider par les supporters du camp adverse. Ok, c'est clair, clair. En fait, tout le monde connaît notre plan de jeu. C'est-à-dire me passer la balle. Non, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la nouvelle figurine Klaus! Je l'ai fait tout seul! Tu veux rire? Je crois qu'il va y avoir de la compétition dans l'air, El Matador! Tu as peur? Je suis terrifié! Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? C'est l'heure d'aller jouer, c'est clair! Quand faut y aller? On peut pas faire attendre les fans, tu sais. Je crois que l'heure est venue de jouer avec El Matador. Place au match! Devinez un peu pour qui sera cette balle, Brenda! Sans aucun doute pour celui qui est la vedette du jour! Les fans ne risquent pas de se lasser de lui! Et les commentateurs non plus, ma chère Brenda! Ma figurine officielle, El Matador, est déjà réservée à l'heure où je vous parle! Mais que se passe-t-il? Voilà qu'El Matador se fait littéralement huer à présent. Alors qu'en temps normal, il serait acclamé. Oh, voici une action ratée qu'on préférera vite oublier. C'est désormais les United qui mènent la danse. Reprenez-vous, les Super Strikers! But! Ouais! Occasion manquée d'égaliser pour les hommes en rouge. Due à une surprenante baisse de régime de la vedette des Strikers. Et à un encore plus surprenant revirement d'affection de la part de ses fans. Peut-être aurons-nous un petit commentaire de la part du joueur concerné. El Matador, c'est pas la forme. Les fans vous huent. Vous auriez un commentaire à nous faire? Non, vous avez déjà tout dit. Merci, Lena. Excusez-moi, mademoiselle Long, j'ai une nouvelle toute fraîche en provenance directe du monde de la vente des jouets. El Matador est un joueur en or. C'est vrai. Personne ne l'aime, tout le monde l'adore. Ça l'est plus. C'est bizarre. Pourquoi les fans se retourneraient contre toi? En fait, on y prend goût. À quoi ça peut bien servir d'être une superstar si les fans ne vous aiment plus? Oh! Regardez! Tes figurines sont déjà en rupture, tes stocks! Non, c'est vrai! Hey! C'est bien vrai! Je vous avais dit que ça se vendrait comme des petits pains! Mais ça se vend comme la figurine officielle d'El Matador! Non, on ne peut pas faire une promotion 2 pour le prix d'un avec le Fizz the Boom! Claire!
Le seul moyen de se débarrasser à jamais de ce truc dégueu, c'est que Shakes boive tout le stock. Et c'est une des options les plus plausibles. Ah. Mais si les fans continuent à t'aimer, pourquoi ils t'ont hué? J'imagine que ça visait quelqu'un d'autre. Yo, comment est-ce qu'on peut détester quelqu'un quand il a une figurine officielle qui est aussi adorable, franchement? Assez parlé jouets pour aujourd'hui. Retournons plutôt jouer au foot, ça vaudra mieux. Admirez l'artiste! Ça, c'est pour les fans! La magie latine! Ah ah! El Matador est un joueur en or! Ah, c'est évident! C'est vrai ce que les gens disent! Wouhaha! On l'a retrouvé! C'est jour de match à Strike Island! Alors? Alors? Quoi? Vous avez eu votre figurine officielle? Absolument, Brenda! Et? Qu'est-ce que... Oh, vous ne l'avez toujours pas déballé? Quoi? Il est hors de question de la déballer! Mon Strike Island adoré! Mon public! Mon match! Que je gagne ou que je perde! Ouais, aucune chance que les United nous battent chez nous. Bien moi qui l'eut comme ça! Ah! Même la foule du Strike Island est en train de huer El Matador! Hey! Mais où est-ce que tu vas? Je ne peux pas aller sur le terrain! Tu as bien vu ce qui s'est passé au Vice? Alors imagine ici, alors que je suis chez moi, au Strike Island! Pourquoi? Pourquoi est-ce que mes fans adorés me tournent le dos comme ça? Oh! Je pensais que le fait d'avoir une figurine officielle servait à être encore plus populaire! Waouh, le monde des jouets est cruel. Attends, El Matador, ne pars pas, vieux. Donc, ta figurine officielle fait un carton et voilà que tes fans se retournent d'un coup contre toi comme ça? Peut-être qu'il y a un défaut quelque part, non? Hein? Ce gars-là est parfait, d'accord? Comme le vrai El Matador. C'est le prototype. Mais le prototype est différent du modèle que les fans ont acheté. Il faut qu'on teste un de ces modèles. C'est trop tard, Shakes. Il n'y en a plus! Tout est parti! Il y en a nulle part! Pas de problème. Je sais où on peut en trouver une. Allez, courage, El Matador! Pas la première édition, Shakes! Pas la première édition! Lâche ça, El Matador! C'est pour ton bien qu'on fait ça! Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu fasses dans le mélodrame, Shakes? Première édition! Quoi? Y'a rien de pire que les supporters! Ils sentent comme... Ah, des vieilles chaussettes! Mais... Alors là... J'ai voulu acheter d'autres ces poupées ridicules. Je me justifierais bien volontiers, mais je dois garder toute mon énergie pour pouvoir huer El Matador. Les équipes font leur entrée pour la première mi-temps. Et après leur défaite au Vice la semaine dernière, c'est une nouvelle chance pour les Strikers de rester dans la course. Les Invincible United ont fait quoi? Pas étonnant que les fans se déchaînent contre notre El Matapot. C'est chaud.
Tu vas pas laisser ça t'atteindre, hein? Mes fans se sont fait piéger. Je ne peux pas laisser les United s'en sortir impunément. Et c'est parti. En dépit des tristes incidents du Vice, il semblerait que les Super Strikers aient décidé de s'en tenir à leur tactique offensive. Et de passer la balle à El Matador. C'est pas la faute des fans. Ce n'est pas la faute des fans. Ce n'est pas la faute des fans. Mais pourquoi les supporters s'en prennent à El Matador? Nous sommes journalistes, non? Alors nous sommes censés savoir absolument tout. C'est vrai que c'est très frustrant. Je ne peux m'empêcher de me dire que la réponse se trouve juste sous notre nez, pourtant. Clic! J'ai horreur des fans. Et les fans me détestent aussi. Et du coup, j'arrive plus à marquer un seul but et on va se prendre une double tôle. Bouh! Faites-moi sortir, coach. C'est la seule solution. Je ne peux pas jouer si je n'ai pas le soutien des supporters pour me porter. Il faudrait leur faire savoir que c'est la figurine de Scara qu'ils ont achetée. Peut-être qu'il nous faudrait un petit peu de pub. Est-ce que tu as dit pub? J'ai bien entendu. Blablabla, j'ai un fist-boom. Ouais, pourquoi pas. Ah, enfin, une interview d'un joueur qui défraie la chronique. En fait, ce sera une sorte d'interview avec une sorte d'El Matador, on va dire. Il est prêt, il tient chaud et il peut servir à tout ce que vous voudrez. Je vous présente la figurine officielle, Klaus. Cool. Fournie avec tous ses incroyables accessoires. D'accord, pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles. Mais il a au moins deux merveilleux amis. Je vous présente El Matador et le faux El Matador. Y'a rien de pire que les supporters. Y'a rien de mieux que les supporters. De pire, de mieux. De pire, de mieux. De pire, de mieux. Hein? De pire, de mieux. Y'a rien de pire que les supporters. Et ne me parlez surtout pas de ces abrutis de commentateurs. Ça se chamaille un peu, on dirait. Les esprits ont l'air de s'échauffer. On dirait bien que ces messieurs ont besoin de se rafraîchir les idées. Boum! Fortement déconseillé par les dentistes du monde entier. Eh bien, il semblerait que les fans d'El Matador aient été abusés. Oui, mais à présent, la vérité a enfin été dévoilée. En revanche, on se demande encore si ce match va révéler le véritable El Matador, celui qui est un dieu du football. Ça marche, tu crois? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est à peine croyable! Une victoire par 3-0 pour les hommes rouges au Strikaland! C'est moi le meilleur! C'est moi le meilleur! À vrai dire, tu es le deuxième meilleur, en fait, mon petit. Ok, remballe le matériel et partons d'ici. Lena! Vous ne vouliez pas une petite interview? Hey, Klaus! Je crois qu'il est temps de sortir ta première édition. Tu crois sérieusement que la figurine officielle de Klaus est enfin prête à sortir pour de vrai? Yep.
Je connais même certaines personnes qui vont carrément l'adorer. On se demande qui a pu avoir cette idée minable. Ça, on se le demande. Je comprends pas pourquoi on les a changés. J'aimais bien l'ancienne, moi. Y a rien de pire que des supporters. Ils sentent comme... Hé, hey, les gars, bonne nouvelle. Regardez, il y a un paquet pour nous. Oh, il vient d'où? C'est pas marqué. Il y a qu'à l'ouvrir. Vous avez perdu. C'est quoi, c'est horreur? C'est effrayant. Comment quelqu'un peut oser faire une chose aussi horrible?